Il aura mis un peu plus de 32 jours pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Il était 17h40 hier là-bas, lorsque le Rochelais Christophe Souchot franchit la ligne d'arrivée de cette longue et difficile route du Rhum. Par contre, c'est la dernière fois que je fais une route du Rhum avec ce genre de bougie. Terminé. Prochaine fois, c'est avec un gros bateau. Un grand, long et gros bateau. 9e de la catégorie Rhum Mono. Beaucoup d'émotions et on peut le comprendre car cette deuxième participation a été gratiné. Je suis parti donc avec 6 jours de retard parce que je suis resté 6 jours à Camaret en attendant que tous les fronts passent. Mais on est parti quand même et moi j'avais qu'une intention, c'est d'être classé. Donc arrivé avant la fermeture de la ligne. Et arrivé à bon port, après 4 292 000 nautiques parcourus, à une vitesse moyenne de 5 nœuds et demi. 15 jours le séparent du premier. Christophe Souchot est le dernier skipper à franchir la ligne d'arrivée de cette 11e route du Rhum qui ferme ses portes cet après-midi à 14h.